Salut, salut! Alors, on se retrouve encore ce dimanche pour une nouvelle petite vidéo et bien entendu, ça va encore être une vidéo sur le Grishaverse et aujourd'hui, on va parler de Six of Cause. Alors, Six of Cause. J'ai retiré le truc de la bibliothèque parce que là, ça faisait des reflets. Alors Six of Crows, c'est une biologie, bien sûr on continue euh, par rapport à la trilogie euh, des Shadow and Bone qu'on avait lu il n'y a pas longtemps. Parce que comme vous le savez, donc, la série télé sort en avril et on fait une espèce de petit euh, marathon euh, comme ça euh, de Body Read avec ma, ma pote Priska pour pouvoir être fin prête et bien comprendre la série. Alors on a lu Six of Crows, verdict moi j'ai adoré. Alors très clairement, euh, donc là j'en suis à la moitié. De Cool Kingdom et franchement le premier bouquin était tellement chouette je pense que je vais l'ajouter à ma collection de livres dans ma bi bibliothèque parce que c'était vraiment génial. Oh, you touch my ça raconte l'histoire de six jeunes qui habitent dans une ville qui s'appelle Ketterdam, qui est inspirée par la ville d'Amsterdam, donc aux Pays-Bas, qui font un petit peu partie du monde souterrain de la ville, un petit peu de la pègre en fait, finalement, de Ketterdam. Et donc, c'est des voleurs, ils font des braquages, ils rentrent dans des maisons, ils volent des trucs, enfin voilà, c'est un peu des voleurs, c'est un peu des filous quoi. Et ils ont pour mission d'aller récupérer une personne dans un espèce de palais haute sécurité dans une ville, dans un autre pays. Et donc, ils ont, euh, enfin, il y a une super rançon, euh, il faut qu'ils aient, euh, ils vont gagner plein plein de sous, c'est génial, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu pour les prémices du truc. On a six personnages, donc Kaz, Nina, Inej, Jespère, Mathias et Wylan, qui ont tous à peu près 17 ans. Et ils ont tous euh, pas mal de traumatismes euh, dans leur enfance. Donc on a énormément, en fait, dans ce bouquin, on va avoir pas mal de backstory, pas mal de flashbacks. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien euh, écrit dans l'histoire. Donc ça faisait pas, euh, tiens, boum, tout d'un coup, euh, oh, flashback. Enfin, c'était vraiment bien, euh, bien intégré dans l'histoire. Dans donc c'était vraiment très agréable. Mais ils ont tous euh, des enfances terribles. Il y en a une qui s'est fait enlever euh, et qui a, qui a été forcée à la prostitution. Euh, voilà. Il y, y a quand même des histoires qui sont assez difficiles. Ce qui fait que du coup euh, c'est une lecture qui est assez diverse moi j'ai trouvé que c'était très bien d'intégrer comme ça euh, des éléments euh, de traumatisme il y avait aussi euh, beaucoup de discussions donc sur le sspt donc syndrome de stress post-traumatique, voilà PTSD en anglais. J'essaie de vraiment avoir euh, la bonne terminologie, mais voilà donc ça parle de ça aussi, ce qui est assez important. On parle de racisme, on parle de sexisme, on parle de handicap physique aussi avec Kaz et sa canne. C'est vachement complet. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et que c'était très important parce que voilà, faut être honnête, euh, le public voyait est très large et que toucher à ce genre de sujet c'est vachement important et ça ouvre un petit peu des perspectives. Maintenant, je sais qu'il y a eu pas mal de critiques et surtout de la communauté adulte fantasy pour ça parce que c'est un bouquin qui est très euh, donc qui est way mais que moi j'ai trouvé qui était plutôt euh, un petit peu au milieu quoi il y a eu plein de, de gens qui ont dit voilà c'est censé être une bande pourquoi est-ce que case est plus en lumière alors moi, j'ai trouvé que tous les personnages étaient très attachants. Évidemment, Kaz, on sent que c'est le préféré de l'autrice. Maintenant, je n'ai pas trouvé ça totalement gênant. J'en suis au milieu de Crook's Kingdom et je suis plutôt attachée à tous les personnages. Enfin, quand je lis, si euh, il arrive quelque chose à l'un d'entre eux, qu'il y a un d'entre eux qui se fasse kidnapper ou, ou euh, tirer dessus ou blessé, je vais ressentir des émotions pour tous, en fait. Je m'accroche à quasiment tous. Ce qui fait que, voilà, oui, case a un petit peu plus de. On va dire, il est un peu plus sombre que les autres. Maintenant, euh, j'ai pas trouvé que c'était si choquant que ça. Je sais que les gens ont été pas mal dérangés par leur âge, donc ils ont 17 ans. Maintenant, je trouve pas ça plus choquant que ça. Enfin, personnellement, euh, c'est de la fiction, donc évidemment, voilà, on fait des, de poids, de mesure aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient prendre un petit peu de recul, mettre un peu d'eau dans leur vin. Et justement, donc, ces, ces personnes qui ont 17 ans, ça se passe dans une, un Amsterdam des années 1800, plus ou moins. Bien sûr, c'est un monde totalement inventé, donc c'est difficile. De mettre une date, mais voilà des choses aussi horribles qui arrivent à des gens de, de, de très très jeunes comme ça, forcés dans la prostitution, euh, forcés à voler, euh, leurs parents ont été tués, etc. etc. Ça arrivait beaucoup, ça arrive encore même dans notre monde à nous, peut-être un peu moins en Europe, mais ça arrive quand même dans le monde. Je vois donc, c'est pas quelque chose de qui est complètement impossible à concevoir qu'il arrive des choses terribles à des enfants et qu'à 17 ans ils soient très matures parce qu'ils ont dû voir des choses euh, terribles quoi. Alors, voilà. Je dis pas que c'est quelque chose de, de, de vraiment parfait. Il faudrait que l'autrice ait 17 ans et ait vécu des choses terribles avant pour pouvoir complètement nous donner sa perspective. Maintenant, euh, je trouve que c'est quand même pas mal écrit. On se plonge dans une histoire. C est, c est, ça a des enjeux politiques assez distincts. Je trouve que c'était très bien écrit en fait. J'ai pas trouvé que l'âge m'a dérangé plus que ça. Et puis de toute manière, euh, c'est juste des personnages. Donc on peut s'identifier peu importe notre âge en fait finalement. Enfin, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus matures que moi ou moins matures que moi. C'était juste des personnages. Un autre truc qui revient souvent aussi, c'est les relations entre les personnages et la place que, et ou l'importance que la romance a dans le bouquin. Alors voilà, on crie toujours au loup avec le YA. Surtout, vous voyez, fantasy. il voilà, y a trop de romances, De temps en temps, même des trucs à caractère sexuel. Je pense notamment euh, au Palais d'épinay de rose, euh, la série, ou au Trône de, de, de verre. Moi, ces trucs-là, je les ai pas encore lus. J'en en ai beaucoup en entendu parler, mais en tout cas pour ce truc-là, enfin voilà. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, oh là là, c'était 40% aventure, 60% romance. Je suis pas d'accord du tout. Alors là, pas du tout. Moi, j'ai trouvé que l'aventure prenait plutôt 80% et la romance 20%. Enfin, souvent, les personnages vont se retrouver peut-être à un moment, euh, juste avant un truc ou juste après un, un, un événement, et bon, ils vont avoir, ils vont se glisser deux mots, ça va être un peu un mot couvert, ils ont du mal à s'exprimer, voilà. C'était pas euh, aussi flagrant que ça. Et puis, ce qui découle en fait de cette histoire de romance là, qui saoule tout le monde, c'est que, euh, mais comment ça se fait que des personnages aussi matures euh, par rapport à leur âge ont du mal? À se mettre en couple et à vraiment exprimer leurs sentiments, et comment ça se fait qu'on n'ait pas euh, un regard euh, plus long sur leur romance. Donc il y avait des gens qui disaient clairement que c'était pas assez étoffé et qu'il aurait fallu euh, faire beaucoup plus, et que comment ça se fait que dans le loyer, euh, on n'avait pas des relations euh, complètement, euh, complètement établies. Quoi. Et moi, c'est difficile, les gars, parce qu'il y a énormément de traumatisme dans ce bouquin-là. Donc évidemment, voilà, un, un adolescent de base, voilà quelqu'un qui, qui a une vie plus ou moins normale et qui va à l'école machin déjà les relations humaines finalement les relations amoureuses surtout quand on est adolescent c'est hyper dur j'entends très peu de gens qui me disent moi quand j'étais au collège et au lycée ah, oh, ça y allait je savais tout de suite ce que je voulais avec qui je le voulais quand je le voulais fin c'est pas possible du tout quoi c'est pas un truc que j'ai entendu euh, très très fort soit les gens euh, avaient du mal à exprimer euh, s'ils avaient des sentiments ils savaient pas trop ce que ça voulait dire ils voulaient pas trop s'engager ou alors des gens avaient un petit peu des amourettes mais c'était jamais un truc de complètement construit. Donc demander à des personnages de 17 ans d'avoir des relations construites, de pouvoir avouer leur amour comme ça, euh, comme si c'était euh, passe moi euh, le sel, c'est pas très réaliste parce que c'est des gens qui sont jeunes. Et en même temps, ils ont aussi vécu énormément de traumatismes. Je sais que case a un traumatisme bien distinct, donc je ne vais pas spoiler, mais qui du coup lui donne un handicap en plus par rapport aux personnes qui l'entourent. Donc ce qui fait que lui, il a encore plus de mal pour euh, avouer ses sentiments s'il en a. Moi, j'ai pas trouvé que c'était plus flagrant que ça, donc. Voilà, je pense que les gens en attendaient beaucoup de ce truc là. C'est vrai qu'il y a eu une hype incroyable. Et que du coup, quand moi j'ai fini les Shadow and Bone avec bah, ma pote Priska, euh, on s'est dit waouh genre euh, l'écriture est pas incroyable. Qu'est-ce que ça va donner des Six of Close Parce que du coup, on se tape cinq bouquins d'affilée sur une seule autrice. Et il y a beaucoup de livres quoi, que j'aimerais bien lire. Donc ça fait beaucoup. Et en fait, en lisant ça, j'étais tellement agréablement surprise que ouais, tout ce que les gens ont dit, finalement, je n'étais pas tout à fait d'accord. Ou Je me suis dit que c'était vraiment chercher la petite bête. Il y a pas mal de booktubeurs qui cherchent un peu la petite bête avec ce, ce roman-là. et Je trouve qu'il est juste bien, quoi, les gars. Genre, laissez-vous aller. C'est juste du YA, ça ne va pas vous faire de mal. Genre, tranquille. Hein, C'est pas parce qu'on lit euh, pas euh, du Robert Jordan ou, ou du Brandon Sanderson ou tout ce que vous voulez que euh, tout d'un coup vous avez perdu des neurones quoi. Genre, euh, j'ai hâte que les librairies réouvrent en Angleterre pour que je puisse aller les acheter dans une petite librairie indépendante et pas dans un gros Waterstone. Ça serait sympathique et, et de pouvoir les ajouter à ma collègue parce que je les relirais certainement avec plaisir, ouais, carrément. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce que j'en ai pensé. Euh, c'était pas une vidéo qui était extrêmement longue, quoique si ça se trouve ça va faire 10 minutes et j'aurais parlé pour ne rien dire. Mais euh, je compte faire une petite vidéo euh, quand j'aurai fini Croup Kingdom euh, voilà, pour euh, relier euh, tout euh, le Green Shavers qu'on a lu et de voir un petit peu ben, où est-ce qu'on en est par rapport au trailer qui qu est sorti. Je ne vais pas faire un énorme commentaire dessus parce qu'il y a énormément de gens qui ont déjà, mis, euh, qui ont déjà euh, évoqué un petit peu des hypothèses comme ça. Euh, moi j'ai envie de donner un petit peu mon grain de sel plus tard. Quitte à peut-être attendre pour un deuxième trailer si ça sort. En tout cas, voilà, donner un petit peu mon opinion sur, euh, sur ce que je pense qui va se passer en tant qu'assistant de développement. Voilà, qu'est-ce que je pense qui serait une bonne idée Qu'est-ce qui pourrait avoir des enjeux Après, voilà, toute team n'est pas la même, toutes les équipes ne sont pas les mêmes, donc forcément, les gens ont des perspectives différentes. Mais moi, si c'était ma boîte qui faisait ça, qu'est-ce que je dirais par rapport au, au bouquin, quoi. Donc voilà, bah merci de m'avoir écouté encore une fois ce dimanche, et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour euh, quelque chose de nouveau, quoi. Sur ce, bonsoir